Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc, mes baumes à lèvres. Donc, c'est normal, je suis habillée pareil car j'ai fait tout le même jour. Comme ça, j'étais un peu tranquille. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, mes baumes à lèvres sont dans un petit pot. Donc, j'en ai pas énormément, énormément. Non, énormément. Voilà. Donc, ça se trouve dans ça que j'avais eu. Non. Mon anniversaire par ma cousine qui doit arriver après, donc on vous fera un vlog. Donc tout d'abord j'ai un coconut donc qui vient de chez Action. Voilà. Donc voilà. Il m'en reste plus trop beaucoup. Excusez-moi pour la petite tache. C'est quand j'avais mis du rouge à lèvres par au-dessus. Je vais poser ici. Après, j'en ai deux de chez Babylips. Donc, un comme ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Donc, il est... Attendez. Je vais vous dire. Orange Brux. Voilà, donc c'était à l'orange. C'est normal qu'il y a ça. Je filme sur mon plateau. Et un autre, Babylips, que je n'aime pas trop l'odeur. C'est un peu... Oups. J'aime bien, mais j'aime pas trop l'odeur en fait. Hein. Pour vous le dire tout de suite, ça sent... Je sais pas du tout, ça sent quoi. La pet quiz. Je suis pas forte en anglais, je peux vous dire ça tout de suite. Hein. Après, de chez Leclerc, de chez Inel. Bon, voilà, c'est à la cerise. Miss Cherry. Alors, jamais testé. Voilà. Et c'est qu'un rouge trop beau. Hein. Il y a un rose rouge vraiment éclatant. Après, j'en ai deux de chez Yves Rocher. Donc, un à l'orange confit et cannelle. Donc, que j'ai déjà testé et qui est très bien. Voilà, donc je vais vous l'ouvrir. Je l'ai testé plusieurs fois et ça sent trop bon. Donc, ça, c'est un que je préfère le plus. Ça fait blanc, mais en fait, c'est cannelle. Ouais, cannelle. On va dire ça comme ça. Après, j'en ai un de chez, toujours de chez Yves Rocher, à la noix de coco. Donc, je l'ai jamais testé non plus. Donc, c'est un peu comme l'autre. Je vais sentir si ça sent les mêmes odeurs. Donc, c'était pas 6 euros, un truc comme ça. C'était. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, celui-là, il est un peu plus fort, celui-ci. Celui-ci, il est bien. Donc, voilà. Après, j'en ai un de ces The Body Shop. Voilà. À la vanille et que j'ai déjà testé aussi. Enfin, vous pouvez le voir, je pense. Voilà, là vous pouvez voir. Et celui-là, il sent trop bon, il sent doux et tout. Après, j'en ai un de chez Claire's que je trouve trop mignon aussi. Voilà. Donc, c'est en forme de glace. Donc, vous avez le cône et la glace. Vous ouvrez et en fait, vous avez un petit truc là et vous ouvrez. Donc, j'ai déjà utilisé comme on peut voir. Et sans le chewing-gum. Vous avez un peu tout. Hein. Moi, après, j'ai pas que ça. Je vais acheter des autres. Après, j'en ai un autre de chez Dahan, je sais pas trop. À la vanilla. Alors, qui est bien aussi. Que j'avais acheté à Noz. Voilà. Donc, voilà. Et un autre à la fraise. Et j'en ai un autre au chocolat que je trouve plus. Ah, j'adore ça. Et sur le yaourt. Donc voilà les filles. Donc cette vidéo. Bon, je vais ranger en même temps. Donc cette vidéo est terminée. Donc likez. Et dites-moi en commentaire.
les vidéos que vous voudrez que je fasse et moi je vous les ferai avec grand plaisir. Là, ce week-end, je vous ferai un vlog tout à l'heure avec ma cousine qui va arriver après. Je vous donnerai, si vous voulez, la prochaine fois un pseudo de Snap. Et je vous ai perdu le mot. Je vous ferai alors le. Bah non, je vous le dis pas. Ce sera surprise dans le vlog. Donc voilà, donc likez, abonnez-vous. Et voilà. Bye. Alors, peut-être. Peut-être au 10 ou au 20 abonnés, on verra bien. Je vous dirai ça dans le vlog, ce serait une petite surprise. Bon, bye!